Après plus de 48 heures passées à l'Hôtel Dieu, Sami Nasseri ressort libre aux côtés de son avocate, le visage marqué. J'ai l'os ici de la mâchoire qui est cassé. J'ai 3 points de suture ici. J'ai 5 implants qui sont partis. Et il y avait 10 milliards de personnes autour de moi, des gentils garçons, qui étaient en train de filmer avec leur portable. Que s'est-il passé samedi soir près des Champs-Élysées ? Sur cette vidéo amateur, on voit le comédien de 51 ans être roué de coups. Sami Nasseri dit avoir été pris à partie par des vendeurs de cocaïne qui auraient mal pris le fait d'être repoussé. Un peu plus tôt, selon la police, l'acteur aurait brisé la vitre d'une voiture. Alors, et on est venu me chercher à 11h30 chez moi pour me mettre en garde à vue, parce que c'est Sami Nasseri, c'est lui qui a toujours tort, c'est lui qui a causé les dégâts, il était bourré, et ben non, je n'étais pas bourré. Il n'y a pas eu d'alcool, il n'y a pas eu... Il y a dans le dossier, en tout cas, pas de traces d'éthylisme du tout. Sami Nasseri sera poursuivi pour dégradation, mais pas pour des violences, contrairement à son principal agresseur, un homme de 35 ans, qui a été mis en examen.